Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui, donc en ce 20 décembre, on y est presque, ça y est, plus que 4 jours avant le réveillon de Noël. J'ai toujours un peu mal à la gorge. Et aujourd'hui, je me retrouve, alors en plus de ne pas avoir maquillé mon teint, j'ai les cheveux mouillés puisque je sors de la douche. J'étais courir ce matin. Voilà, bref, comme ça, vous saurez tout. Donc, on va commencer avec mon coup de cœur du jour. Et aujourd'hui, je le porte sur mes lèvres et c'est le rouge à lèvres Boho. C'est le 304, c'est le capucine, c'est le seul rouge à lèvres que je peux porter, je veux dire, en n'importe quelle circonstance. Je l'adore, je trouve la teinte magnifique, elle se marie avec tout, elle est discrète, mais en même temps, elle est présente. La texture, elle est très crémeuse, elle hydrate très très bien les lèvres, elle est très confortable, je trouve qu'on la sent pas vraiment sur les lèvres. C'est la teinte, je trouve, qui me va le mieux, même si j'en ai quelques-uns d'autres, mais que j'aime moins porter, en fait, c'est le rouge à lèvres, voilà, qu'on peut porter tous les jours, avec tout, en n'importe quelle occasion, avec n'importe quelle tenue, avec n'importe quel maquillage. Donc la teinte se présente comme ça, c'est un nude, mais qui tire un peu plus quand même vers le rosé, un petit peu plus prononcé. Je le trouve absolument superbe, je pense que ce sera vraiment le seul rouge à lèvres que je me rachèterai une fois qu'il sera terminé. Au niveau de la tenue, bien sûr, c'est pas génial. Il va pas vous durer plusieurs heures ou quoi. Il faut en remettre très souvent. Mais j'ai envie de dire, je m'en fous complètement. Je l'ai toujours dans mon sac à main. Il est toujours à portée de main. Je l'adore vraiment. C'est mon chouchou. En plus, les produits Boho sont certifiés, donc One Voice. Et ils sont bio. Et la compo est entièrement clean et naturelle. Donc, ce qui ne gâche rien. Le prix de ce rouge à lèvres, je sais plus trop. Il me semble qu'ils étaient dans les 12 euros maintenant. J'espère ne pas vous dire de bêtises parce que je ne me rappelle plus du tout. Donc franchement, j'en sais rien. Je vous mettrai le lien de toute façon vers le site. Et franchement, je vous les conseille si vous ne les connaissez pas. J'en ai encore un, c'est la teinte groseille que j'aime beaucoup. Il est assez flashy, il a vraiment une teinte groseille. Hein. Vraiment, quand vous voyez le fruit, c'est vraiment un genre de rouge rosé, hein, très 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 soutenu, mais je le trouve également magnifique. Et lui par contre, il a une très très bonne tenue, mais je le trouve un poil plus desséchant pour les lèvres. Mais vraiment, celui-là, il m'a accompagné toute l'année. J'ai encore quelques rouges à lèvres, je ne sais pas si je vais les finir ou pas. Je ne sais pas comment vous êtes vous avec vos rouges à lèvres, si vous arrivez à les terminer. Mais en tout cas, celui-là, je pense que ce sera mon rouge à lèvres avec lequel je vais continuer. Et voilà. Donc sur ce, j'espère que ce coup de cœur vous aura plu. En attendant, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien de votre dimanche. Enfin, j'espère que vous avez bien profité de votre dimanche. Parce que moi, là, il doit être à peu près midi moins le quart, quelque chose comme ça. Et sur ce, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain. Ciao !